Ouais, exactement. Je sais ce que tu veux dire. Oui, elle devient ça. Ouais. Non, mais il y a quelque chose de, devient de... insupportable. Oui, voilà, c'est ça qui est fou. Oui. Parce qu'en plus, il y a un truc particulier dans les deux Gioia. Il y en a un qui espère plus. Qui espère plus que far de Gio. Gioia. C'est prêt, ça se joue même pas, hein, parce que la musique est tellement puissante. Mais le premier, c'est j'ai rien d'autre à faire que jouir. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est jouir jusqu'à la mort. Et le deuxième, dans le cri, c'est vraiment un manifeste. Oui, je vais faire ça. Tu vois? Enfin. Mais qu'est-ce que tu voulais dire par là? Comme c'est un mot très important pour elle, que le premier qui est Fardeggio, qu'est-ce que je peux faire d'autre à part jouir? Jouir, tu vois? Alors. Ouais. Incroyable qu'il ait écrit ce cri-là, ces vocalises sur le jouir, parce qu'il y a un truc de jouissance par la musique, c'est presque comme un truc sexuel, enfin, le truc de. C'est, enfin, vois, sauf pour la fille qu'il fait, hein. On dit toujours que le sexe, que la voix, c'est le sexe. Parce que là, il faut quand même. Il faut. Tu vois? Techniquement, je veux dire. Croce, croce delizia, croce delizia, delizia al cor, croce delizia.